on est hyper impatientes et excitées de montrer ces deux premiers épisodes qui sont encore une fois assez hauts en couleur. Donc on a hâte d'entendre et de voir la réaction du public. Pour nous, c'est quand même une chance incroyable et assez rare de pouvoir regarder une série télé en public, sur grand écran et avec le public qui la regarde. Donc c'est toujours très précieux parce qu'on a, le rendu immédiat de tout le travail qu'on a fait. Les Hauts-de-France sont donc une région qui soutient énormément la production audiovisuelle. Donc moi, en tant que comédienne, j'ai énormément travaillé et donc vécu ici. Et parfois sur des périodes très très longues. Et pour vous dire la vérité, c'est vraiment l'endroit où je préfère tourner. On est hyper heureux de vous constater que la région est très fidèle et nous accompagne depuis le début. Et c'est un soutien sans faille chaque année et sur lequel on compte. Et on est très contents à chaque fois de voir qu'ils sont là encore au rendez-vous. Quoi. Ah, non. Avec qui j'ai pu partager 6 années d'amitié et de confiance. Allez, tu vas nous manquer. Je vais le manquer moi aussi. Au commandant. Génial. Ouais, c'était incroyable. On a hâte de voir la suite. Ouais. Il y a eu des hauts, des bas. On a des attentes énormes. Bah, c'est toujours super intéressant parce que... Bah, on voit les épisodes en avant-première, mais on a aussi bah, l'occasion de pouvoir échanger avec eux et de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, comment ils ont créé, pourquoi ils ont créé ci ou ça. C'est une très belle expérience. Ça permet effectivement d'avoir un peu l'envers du décor, de ne pas entendre parler du personnage, mais en fait de l'acteur. Non, non, c'est vraiment très intéressant. Ah, on était là, genre déjà là, mais là... Il faut un level au début, je pense. Ça va être long d'attendre la suite. Oh ouais. Ah non, mais intense.